Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Quérin. Cet endroit respire le sacré, c'est une terre de pèlerinage où il fait bon vivre. Cette bourgade est nichée entre les rivières des deux Sarres, la Sarre rouge et la Sarre blanche. Selon le père Bajon, auteur de la chronique de l'abbaye de Moyenmoutier en Lorraine, écrit en 1325, le prieuré de Saint-Quérin fut bâti en l'an 966 par le comte Louis de Dabo, anciennement d'Augsbourg. Ce comte fut un aïeul maternel du pape Léon IX. Ce fut d'ailleurs ce saint pape qui unit ce prieuré à l'abbaye de Marmoutier lorsqu'il fit son dernier voyage en Allemagne. Alors qu'en est-il du nom donné à ce lieu? Selon nos informations, le village porta l'ancien toponyme de Godel-Sadis. C'est vers l'an 1050 que saint Léon IX offrit à sa sœur Guépa de d'Augsbourg, abbesse de Nuis, les reliques de Saint-Quérin. L'histoire raconte que la mule qui transportait les reliques se serait arrêtée sur le lieu où se trouve l'actuelle haute chapelle, juste derrière moi, ce qui modifia le toponyme du village qui porte actuellement le nom du Saint-Martyr. D'ailleurs, cette haute chapelle est marquée par une rose de couleur rouge, couleur du sang martyr. D'autres chapelles, d'autres lieux de culte ici à Saint-Quérin sont aussi marqués par ces roses d'une autre couleur, qui est un circuit de randonnée que nous vous recommandons. Le Sentier des Sept Roses est un circuit de randonnée d'une quinzaine de kilomètres environ, traversant les différents lieux de culte de la paroisse de Saint-Quérin. Les Sept Roses sont de couleurs différentes. Notre itinéraire, ici à l'écran, traverse 6 des 7 églises dans ce paysage merveilleux composé de grès. La première, c'est la rose d'or. C'est l'église principale, la priorale. Elle est le point de départ de notre parcours. Puis la rose rouge que nous avons présentée auparavant. C'est la plus vieille chapelle des lieux datant du XIIe siècle. La rose bleue de Notre-Dame de l'Or que vous verrez plus tard. La chapelle Sainte-Claire, c'est la plus petite des roses, c'est la rose blanche. Elle est située à la sortie de Vaspervillers en allant vers Saint-Quérin. Une belle chapelle de montagne, elle fut à l'origine un sanctuaire celte. Nous trouvâmes un nécropole et fanum christianisé au VIe siècle. Vers 1440, il fut érigé une chapelle avec ermitage, puis au Moyen-Âge, le couvent des Clarisses qui fut détruit lors de la guerre de 30 ans. Elle redevient ermitage au XVIIIe siècle. Nous voyons d'ailleurs sur place quelques vestiges de cette époque révolue. Restaurée en 1808, elle accueille aujourd'hui le pèlerinage de Sainte-Claire que l'on invoque pour les maladies des yeux. Précisons aussi que l'élément eau revêt une importance particulière pour dévots et pèlerins. Le ruisseau au devant de la fontaine miraculeuse au cœur du village de Saint-Quérin, qui guérissait plaies et eczéma, se jette ici dans la Sarre rouge à Vaspervillers. Aussi, nous avons en ce lieu plusieurs sources, dont la source de Sainte-Claire, en contrebas de la chapelle. Les malvoyants venaient implorer leur sainte qui fait voir clair. À quelques pas, vous trouverez la source de la Croix Philippe, une eau qui vient de grande profondeur. Celle-ci est particulièrement glacée, toutes deux possèdent les mêmes vertus pour les yeux, le foie et les reins. Ces sources ont été christianisées dès le Xe siècle. La Rose Rose, à Vaspervillers, c'est l'église de Sainte-Thérèse de Lisieux. La Rose de Cristal de Lettenbach, qui est l'église des Verriers. Et la dernière, la Rose Mauve, c'est la Vierge du Blanc-Rupt, Notre-Dame de la Délivrance, qui, elle, ne se trouve pas dans le circuit pédestre, mais plutôt en prenant la route vers le col du Donon, vers Turkestein. Autre précision géographique, ce lieu sacré se situe non loin de la source de la Sarre Blanche. La chapelle gardait une statue de la Vierge classée, enceinte, tenant à sa main droite un cœur flambant. Une œuvre d'art populaire, très ancienne, en bois polychrome datant du XIVe siècle. Malheureusement, ce lieu fut profané, mais la statue est gardée en lieu sûr. À savoir que cet endroit marquait la limite de deux cités gauloises, les médiomatriques de Metz et celle des Lucs de Toul. Oh,
côté, dans la commune de Turkestein, vous avez ici à l'image la Roche des Fées. C'est une merveille de la nature composée d'arches naturelles. Non loin de la roche, nous trouvâmes des traces d'occupation celtique et gallo-romaine. C'est un ancien lieu de culte païen, entouré de deux sources dont l'une se nommant la rue des Dames, terme souvent utilisé pour désigner des fées. Rebonjour à tous et bienvenue au site archéologique de la Croix-Guillaume, qui est un ancien hameau de la période romaine se situant à proximité de Saint-Quirin. Ce site daterait du 1er siècle de notre ère. Sur ce site inscrit au monument historique ont été découverts plusieurs mobiliers en céramique et métallique, ainsi que de nombreuses stèles maisons ou en bâton, dont certaines comprennent une roue gravée dessus. Une nécropole comprenant plusieurs carrières, dont une assez importante, deux zones de culte avec une vaste place faisant face à plusieurs habitations, comme vous pouvez voir juste ici. Enfin, élément intéressant, nous trouvâmes en ces lieux quatre colonnes de Jupiter cavalier à l'anguipède, dont un représenté avec un aigle à ses pieds, l'aigle étant un attribut de Jupiter. Ce genre de représentation est unique dans le monde romain. Pour information, des cavaliers à l'anguipède, nous en trouvâmes non loin d'ici, au col du Donon, à proximité des temples sommitales.